commercial tracks you're doing. A brother gotta eat. Jay, won't you rap for food then? On va tout casser. Et s'ils veulent pas venir, on ira les chercher. On lâche rien, les gars. Non, non, Nathan, tu peux pas en avoir plein le cul. Tu fais 2,47 hier, t'arrêtes d'en avoir plein le cul. Tu peux pas, c'est pas possible. Alors maintenant, quand tu te fais piquer, tu souris. Et t'es heureux de vivre. On va pouvoir vite aller préparer les cannes. Alors, en fait, ce matin, je vais partir en bateau avec Nat. On va faire une team bateau. Et il y en a 4 qui vont rester en pêche du bord. On va pêcher voilà, au leurre sur le bateau. Et ça sera pelé et vert opposé du bord. Puisqu'apparemment, les poissons sont répartis sur un tout petit secteur. Et c'est ici que ça se passe. Donc on va rester dans le coin. Ok, ça marche. Ouais, on va mettre la main. Là tu vas le faire bien. Ah, là il y a beau. Hein. Descends. Top. C'est encore un bloc, ça. Hein. Ouais. Là, il y a du combat. Là, là c'est un bloc. Hein. Allez, là, je dis, il y a moyen que tu fasses plus gros que ton. Oh là là, le bloc. Gros, là. Voilà, applique-toi comme ça. Bon, il y a blocos, là, Flo. Hein. Ouais, 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 là, c'est du lourd. Il tire bien, regarde ça. Regarde la canne comme elle part. Pourquoi tu trembles comme ça? Je comprends pas, Florian. Regarde, 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 t'es complètement tétanisé là. Ouais, regardez les bras, les gars. Regardez, filmez. Regarde, regarde, regarde. Ouais, mais tu vois, hey, ça, mais c'est de la gonflette en fait. Y'a rien dedans. Y'a rien dedans. Ça, il faut arrêter de souffler dedans. Y'a que de l'air. Faut l'élever la fonte un peu là. Il faut arrêter de faire les piqûres. Qui c'est qui va le chercher? Plus ton portable, les gars. Action les petits gars, Yannick à la canne, grosse touche, et c'est parti, on est en combat. Allez. Ça c'est bien, voilà, là t'as la bonne pression. The one again beast to fly, c'est parti. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon.
micro. Il est dessous là. T'es sûr? C'est le courant qui fait chier là. Pourquoi si je me mets de côté comme ça, en stationnaire? Oh la vache. T'y arrives? Vas-y, tends. Parce que là, la marge de manœuvre, elle est toute petite hein, entre les deux lignes. Hein. Yes, c'est bien joué. Vas-y, boulide. Oh, il est fort, il roche. Il est beau roche, quoi. Ouais, il part un peu. Vas-y. Si, il est là, il sort, là. C'est costaud ça, hein? Je sais pas. Ah ouais, il y a un joli poisson là. J'ai mis des coups de tête, mais il n'y a pas de gros rush. Moi je pense que c'est un beau. Ah, il y a moyen. Il y a du poil, hein? C'est lourd, hein? Ouais. Là c'est beau, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ça c'est magnifique, superbe. Tes impressions alors? Magnifique comme d'hab. Il a voulu me bouffer ça. Ouais, belle. Allez. Oh oui. Oh oui. Pendant notre voyage, nous avons parcouru des paysages magnifiques, dotés d'une faune et flore à en couper le souffle. Et voilà, dernière soirée. On profite de notre dernier repas, tous ensemble. Notre séjour s'arrête là où il avait commencé. On part sur la place centrale de Mequinenza. Nos rires et moments de partage remontent à la surface avec beaucoup d'émotions. Nous avons rencontré le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Nous avons réalisé l'importance de ce prédateur qui a trouvé sa place dans la chaîne alimentaire. Il nous a prouvé que même avec nos présences pourtant nombreuses, il ne nuit en rien aux autres espèces de poissons. Ce poisson a gagné mon respect le plus sincère. Nous avons passé une semaine de rêve et nous remercierons jamais assez Yvan et Gilles qui nous ont épaulés pendant toute cette semaine. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire et que chacun reprend sa route pour rentrer chez lui. Yvan a repris la route et continue ses activités de guide de pêche avec Gilles. Je vous présente le champion de cette semaine avec un 2m47, Nathan Potex, qui fait ses débuts en pêche au sciure. Donc très beau début, puisque rappelle-nous, t'as fait quoi là? J'ai fait un 1m70 pour le plus petit, j'ai fait un 2m10 et un 2m35 et le plus gros le 2m47. T'as eu les bras en feu.
La tête à la tétanisée. J'en ai chié. T'as encore les marques de, sur tes mains là? Ouais. Ouais. Ça c'est les restes. Ça c'est les cloques. Ça c'est les cloques sur le moulin. Donc j'en ai ça, là, j'en ai là, j'en ai un petit peu là. Moi j'ai des restes, hein. Voilà. Bon, ensuite, bon, moi pas beaucoup de poissons, mais j'ai eu la chance d'en faire un gros. 2 heures de pêche, le plus gros que j'ai fait, 2,27. Voilà, c'est un beau sillure. C'est un beau sillure, mais c'est pas non plus un truc de dingue, mais c'est un beau sillure. Je suis vraiment content. Et le second, un petit, 1,55 m. Voilà. Yannick. Bon, quant à moi, je suis le seul de l'équipe à avoir dépassé 2 mètres. Bon, j'ai quand même passé une bonne semaine, j'ai fait un peu de poisson, j'ai fait un 1,90 m qui était. Je l'ai bien trouvé joli, qui m'a fait plaisir. Donc voilà, j'étais bien content. Bonne semaine. Voilà, on a passé une semaine de rêve. On a pris pas mal de poissons et surtout, moi, ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'on a rencontré des gens formidables. On a vraiment eu un coup de cœur pour Yvan Vidal et Gilles et la Mahama. Donc voilà, on est très contents. Thank you.